Salut les barbus et bienvenue sur ce mini-épisode, une astuce que je partage avec vous. Et aujourd'hui, c'est ce cutter un peu étrange, spécial pour découper le verre synthétique, c'est-à-dire le plexiglas. J'ai découvert cet outil dans une vidéo de Wesley Street que je vous ai mis en description et on va le tester ensemble. Je commence donc par tracer un trait avec mon Sharpie. Sur ma plaque de plexiglas, ici elle vient de Leroy Machin et fait 2,5 mm d'épaisseur. Je place ma règle sur mon trait. À noter que cette règle est faite pour utiliser un cutter avec un dos métallique. D'ailleurs, tous les liens des outils sont dans la description avec un lien d'affiliation qui me permet de gagner un peu d'argent et de vous proposer toujours plus de vidéos fun et gratuites. Et je vais faire deux multiples passes sans trop appuyer pour marquer en quelque sorte le plexiglas. On voit ici que ma règle a tendance à bouger sur la fin, rien de dramatique au final, mais à surveiller quand même. Donc, privilégiez de grands mouvements sans trop appuyer et faites ça plusieurs fois jusqu'à avoir une marque suffisamment profonde. En fait, ici, on ne fait que reproduire le processus pour la découpe du verre, c'est-à-dire créer un point ou une ligne de rupture qu'on va utiliser pour casser d'une certaine façon le plexiglas le long de cette ligne de rupture. Allez, je pense que la ligne est suffisamment marquée, je la positionne sur le bord, une pression sur la partie qui déborde et paf! Oh là là, mais ça marche ultra bien! Bon, maintenant qu'on s'est fait la main, on va essayer une découpe propre avec l'expérience qu'on a acquis. Donc je marque toujours au Sharpie ma ligne de découpe. Je positionne ma règle et fais plusieurs passages légers avec mon cutter spécial, tout en maintenant correctement ma règle cette fois-ci. Je positionne mon trait de coupe sur le bord de la table, maintiens le plexi avec une main et crac, une petite pression de l'autre main et j'ai une découpe parfaite. J'ai galéré pendant des années avec des scies sauteuses circulaires pour découper le plexi, mais cette méthode marche diablement bien. Reste à la tester sur du plexi plus épais, mais ici ça marche nickel. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera dans vos prochains projets avec du plexiglas. Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.